Ok, d'accord. Vas-y doucement. Comment me trouves-tu? C'est bon, tout va bien, ma chérie, tout va bien. C'est mieux. Je vous ai fait venir afin de tous vous mettre en garde. L'incident qui s'est produit ici hier a souillé ma famille et le royaume tout entier. Je n'aimerais plus jamais qu'une telle chose se produise encore dans ce palais. Si l'une d'entre vous, demoiselle, d'une manière quelconque, se retrouve encore dans un tel acte, alors je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Alors cette personne verra mon côté sombre. Ai-je été suffisamment clair? Oui, mon majesté. Et pour ajouter à ce qu'a dit le roi, les garçons, celui qui se reconnaît dans de tels actes abominables ferait mieux de mettre fin à tout ça, parce que, peu importe le temps que la vérité mettra dans l'ombre, elle finira par éclater à la naissance de l'enfant. C'est exact. Donc, je vous conseille de faire ce que vous avez à faire dans ce palais. Hmm? Est-ce que c'est compris? Oui, on va essayer. Vous pouvez disposer. Martha, laisse tomber. Je te l'avais bien dit. Je te l'avais bien dit à toi. Je ne laisse pas, je te l'avais bien dit. Les filles. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est tombé enceinte dans ce palais et personne ne connaît le responsable. Étonnant. Est-ce que vous pouvez le croire? Mais attendez. Est-ce que c'est possible? Ça l'est? Et à qui le demandes-tu? Tu as abordé le sujet, alors parlons-en. Donc, je ne suis plus nonnier. Je suis maintenant Chima, n'est-ce pas? Ama, demande-lui. Mais attendez, si ce que Shina a dit est vrai, ça veut dire que personne n'est en sécurité dans ce palais. Personne. Ça pourrait arriver à l'une d'entre nous. Que Dieu m'en garde. Pas moi. Que Dieu m'en préserve. Le Dieu que je sais ne laisserait jamais un truc pareil m'arriver. Oui, c'est vrai. Mais attendez, qui est responsable de tout ça? Question. Réponds. Question. Répondez à la question. Réponds-lui si tu veux. Non, toi, dis-lui. N'importe quoi. Vous ferez mieux de vaquer à vos occupations et arrêter le commérage. Oui, Madame Martha. Oui, Martha. Vous pouvez continuer avec le commérage. Vous ferez mieux de vaquer à vos occupations. Je m'en vais, oh. Ah, mais pourquoi vous me laissez? Non, reste là. Mec, tu peux me croire, ok?
Cette histoire n'a absolument rien de simple. Comment elle n'est pas simple? Sache, je te l'ai dit, elle n'est pas simple. Je me demande comment c'est possible qu'une femme tombe enceinte sans connaître le responsable. Mais oubliez cette fille! Oubliez-la! Elle se croit dans un film, elle ne veut pas dire la vérité. Si c'était moi à la place du roi, je lui aurais donné une bonne gifle. Et là, elle m'aurait dit la vérité. Mais attends, donc tu penses qu'elle sait qu'il a mis enceinte, hein? Pourquoi pas? Elle le connaît très bien. Wow. N'a-t-elle pas pris son pied pendant l'acte? Les gars, cette fille ne sait pas ce qui lui est arrivé. Écoutez, je vous dis la vérité. Elle ne sait pas qu'il a enceinté. Oui, elle ne le sait pas. Oui. Mec, écoute, tu parles avec tellement d'assurance comme si tu en savais quelque chose. Mec, ça c'est ton problème. Je vous dis la vérité. Vous n'avez qu'à rester là, à vous prendre la tête avec des histoires qui ne vous regardent même pas. Tu n'es pas sérieux. Kima est innocente. Je le savais. Ce mec n'a pas toute sa tête. Il n'a pas toute sa tête. Tu l'ignores. C'est moi qui vous le dis. Il ne réfléchit pas comme nous autres. On n'a pas la même vision. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, les mecs. Allez, dégagez de là, les mecs. Hors de ma vue. On dirait qu'il y a quelqu'un dans cette voiture. Elle la voit bouger de la sorte, mais on dirait la voiture de... Non, ce n'est pas ça. Parce que celle de Kunaku ne bouge pas comme ça, elle ne bouge même pas du tout. Tu es sûr qu'il n'y a personne dans cette voiture? Oh, tiens, bah, vois-tu ce que je vois? Personne n'est à l'intérieur, cette voiture est vide. Et l'homme blanc est fort et puissant. Donc vous avez déjà fait une voiture danseuse? Une voiture qui danse automatiquement. Qui danse automatiquement. Qui bouge et qui danse. Elle danse automatiquement. Lorsqu'on s'approche, non. Que je m'approche pour voir si. Peut-être si je m'approche, elle pourra chanter. La Jeep? Non, Ojemba, c'est impossible. Essaye. Ce n'est pas possible. L'homme blanc va tout nous montrer. Non, laisse-moi voir. Nous y sommes. Jinekeme, j'entends ça, j'entends cette musique, et l'homme blanc est fort. Akwanambam. Qui sait ce qui arrivera si je décide de toucher à cette voiture? C'est celui qui va se mettre à danser et à chanter en même temps. L'homme blanc va nous tuer. Et regarde comment j'ai l'air d'un idiot. Hein? S'il te plaît... Jineke, tu dis? Je pense avoir joué ce son pour toi. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je l'ai frappé un peu trop fort. Hein? Désolé. Allez, ouvre. Ouvre, s'il te plaît. Jemba le coiffeur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste m'amuser. Premièrement, tu frappes la voiture, ça parle. Hein? Ouvre juste ce truc et prends cet argent. Regarde cet argent. Ouvre-le et prends cet argent. J'ouvre où? Que j'ouvre la malle? Ouvre-le et prends cet argent. Prends l'argent? Que je l'ouvre et que je prenne l'argent? Oh, Seigneur, merci. Oh, Djembe est maintenant riche. Le boulon de ta malle est où? Non, arrête de bouger et parle-moi. Tu m'as demandé de t'ouvrir. Je te demande la permission de t'ouvrir pour que l'argent sorte immédiatement. Je veux juste des billets de 1000. Mais si tu as des dollars, je vais me battre avec. Les dollars ou les... Jinekeme! C'est toi! Anyamanewo! Donc c'est toi qui fais tout ça! Monsieur, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui vous donne le droit de venir interrompre mes affaires? Ça n'a aucun sens. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que... Dans la voix que j'entendais là... Anawanaka! Reviens. Ça veignait, je dirais à au moins où, que notre communauté est devenue Sodome et Gomorre. Écoutez-moi très bien, oubliez ça. Oubliez ces conneries, c'est compris. Mais qu'avez-vous seulement une idée de ce que vous venez de faire, hein? Mais de quoi je me mêle?
Écoutez, laissez-moi vous dire. Je parle à qui de la sorte. Je vais mettre ce truc dans ta gorge. Laissez tomber ce que vous faites. Vous savez ce qu'on va faire maintenant. Tournez-vous et que j'entre parce que vous avez gâché mon goût. Tournez-vous et que j'entre. Dieu de moi goût, répondez-moi. Je suis tombé sur un homo. Je me retrouve aujourd'hui avec un homo. Bima Yeguba, ramène-lui sa petite amie. Je t'avertis, ne me sous-estime pas. Ojimba est un homme nerveux. Je peux te prendre là et en finir avec toi. Laissez-moi vous dire un truc, hein. Vous êtes un vieil homme. Vous m'entendez? Cette belle fille que vous avez vue, je n'allais rien lui offrir. J'étais là sur le point de réussir mon coup et vous avez tout fait en l'air. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous auriez dû me dire que vous vouliez de l'argent, je vous l'aurais donné, au lieu de venir gâcher mes plans comme si vous et moi nous avions un problème, papa. En fait, laisse-moi te dire que Dieu punisse toutes les femmes. Sauf ma femme, parce qu'elle, au moins, je sais que c'est un ange dans tout ce monde. Regardez-moi celui-là. Il passe son temps à commettre l'adultère à gauche et à droite, par-ci, par-là, et veut venir me menacer. Un simple chauffeur. Ojimba, rentre chez toi. Ma reine. Eh oh, qu'est-ce que se passe-t-il? Lolo, où est le roi? Où est mon frère? Et que faites-vous avec celui-là? Ma reine, j'ai surpris ma femme dans la chambre avec Emeka. Oh! Tu en es sûr? Ils étaient ensemble dans ma chambre, oh! Si vous me permettez, je vais tuer celui-ci. Non, je ne suis pas Emeka. Un garde est un garde. Tu es comme Emeka. Ugaburo. Où sont-ils? Dans ma chambre. Ils sont tous les deux dans ma chambre. Je dois appeler au... Je vais appeler le roi. Personne n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité dans ce palais. Ma femme. Hey, Afuka. Hey, mon Dieu. C'est pas possible. Non, Dieu. Allez, fouette-le! Fouette-le très fort! Ne t'arrête pas! Allez, continue! Bien, bien! Tu n'as encore rien vu! Emaragwe, emaneokukuya! Je m'en fous! Vas-y, fouette-le! Fouette-le correctement! Non, mais regardez-le! Tu n'es qu'un abruti! Tu le sais ça? Bien! Bouge! Allez, dégage d'ici! Rapidement! Attendez, les gars. Moi, John, je ne comprends toujours pas. Alors, c'est Emeka le responsable de tout ce qui arrive dans ce palais? Je ne peux pas y croire! Je me méfie de ce gars, oh! Je me méfie de ce gars! Donc, c'est lui qui violait toutes les filles de ce palais! Mon frère, en plus ce n'est pas tout. Et il a eu le toupet de pénétrer la femme d'Ojimba. Chai, tu es tout. Alors, ce gars a du culot. Abomination. Y compris Chichi. Je suspecte que ce gars d'avoir violé Chichi. Écoute-moi, ça peut être lui aussi. Écoutez, le fait qu'il ait pénétré la femme d'Ojimba ne signifie pas qu'il a violé Chichi. Faites attention à ce que vous dites. N'importe quoi, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez vu ce mec? Vous allez voir. On dirait que la cigarette lui ôte tous ses sens. Il ne voit pas ce qu'on voit. Oublions ces gars. On dirait que la cigarette lui ôte tous ses sens. Je n'y crois pas. De quoi tu parles? Donc. Emeka est celui qui abuse de toutes les femmes qui sont dans ce palais? Hein? Eh ben, je ne sais pas, mais... Martha, ma question c'est... Si Emeka est le fantôme qui a enceinté Chima, pourquoi n'a-t-il pas rencontré la femme d'Ojimba sous cette même forme? Ma sœur, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais est que... Emeka a été attrapée... Main dans le sac, bien sûr. Au moins, je peux maintenant dormir avec mes deux yeux fermés et laisser un peu d'air passer
entre mes jambes. Je ne comprends pas. Ça veut dire que depuis tout ce temps, tu n'es pas à l'aise dans ton sommeil. Titi. Titi, comment pourrais-je trouver le sommeil alors qu'un fantôme fait le tour du palais et met des filles enceintes dans leur rêve, quand elles dorment? Et présentement, tu penses que c'est terminé? Tu penses que tu es en sécurité maintenant? Ah, au moins pour l'instant. J'ai des choses à faire, oh. Viens, né, attends. Assieds-toi, s'il te plaît. Je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Je pense que j'ai... fait ce genre de rêve le mois dernier. Quel genre de rêve? Le genre de rêve que Tim a fait. Quel genre de rêve? Je ne comprends pas. Ok, écoute. J'étais dans ce rêve. Ensuite, j'ai... Mata, je ne peux l'expliquer. Mais la seule chose dont je peux me souvenir, c'est que j'ai eu du sexe dans le rêve. Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis aperçue que j'étais mouillée. Mais je ne l'ai pas pris au sérieux. Je ne l'ai pas pris au sérieux parce que je me suis dit que c'était un rêve mouillé. Parce que j'avais souvent ce genre de rêve, même avant que je m'arrive dans ce palais. Ce sont des couches de nuit. Et cela m'arrive aussi parfois. Mais... ce qui me tenait que... comment est-ce que Shidima se retrouve-t-elle enceinte? Je veux dire, comment est-ce possible? C'est pour ça que je suis apeurée. J'ai peur. Je ne sais pas. De quoi as-tu peur? Je ne sais pas. Regarde. Mata, le truc c'est que... depuis que j'ai fait ce rêve, hein, je n'ai plus vu mes menstrues. J'espère juste que ce n'est pas ce à quoi je pense. J'espère juste que je ne suis pas enceinte. Titi. Titi. Attends. Arrête de crier, non. Titi, tu es enceinte. As-tu oublié que le monde a des oreilles? Pourquoi cries-tu? Pourquoi cries-tu? Laisse-toi, je t'en prie. Et jusqu'à quand comptes-tu le cacher? Hein, Titi? Bonsoir, ma reine. Bonsoir, ma reine. Qui t'a mise enceinte? J'ai dit, qui t'a mise enceinte? Ma reine, je jure. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je déteste entendre. En tout cas, tu auras des nouvelles du roi. Espèce d'idiote. Ma reine, je ne mens pas. Je te l'ai dit, regarde ce que tu as causé. Je t'ai dit d'arrêter de crier, de baisser d'un ton. Je suis finie. Hey! Oh. Ma reine! Oh. Hey. Mon Dieu, je suis finie. Je suis finie. C'est vraiment très décevant et humiliant. C'est vraiment un acte de manque de respect et de désobéissance. Après tous les avertissements que moi, roi David, j'ai donné dans ce palais, eh bien, quelqu'un a le toupet. Quelqu'un a eu le culot de faire ce que j'ai interdit dans ce palais. Oh, c'est une honte envers ma personne et pour tout le royaume entier. Toi! Tu as méprisé mes avertissements. Tu n'as pas eu peur de moi. Tu m'as même manqué de respect. Et tu es même allé jusqu'à tomber enceinte. Tu es sans cœur. Tu veux voir ce que je peux faire? Tu veux savoir ce que je peux faire? Tu veux savoir ce que je vais faire? Ne t'en fais pas. Je te dirai ce que moi, roi David,
je suis capable de faire. Mon roi, je vous le jure, je ne sais pas comment c'est arrivé. S'il vous plaît, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Honnêtement, j'ignore comment c'est arrivé. Tais-toi ! J'ignore comment c'est arrivé. Idiote. Donc tu veux me tromper ? Encore ? Un peu comme les autres servantes m'ont déçu. Non ! Ça n'arrivera pas. Alors je vais te dire. Si tu refuses d'ouvrir ta bouche et me dire qui est celui qui t'a enceinté, moi, roi David, je vais t'ôter la vie. Ce soir. Non, mon roi, ma reine. N'importe quoi. Je vous le jure, je ne sais pas qui est cette personne. J'ignore totalement ce qui s'est passé. La seule chose dont je me souviens, c'est que je me suis réveillée un matin et je me suis rendue compte que j'ai été violée. Bonjour, Thier. Comment tu vas? Est-ce que t'as bien dormi? Y a-t-il un problème? Pourquoi cette question? Rien de grave, je voulais juste savoir comment est-ce que t'as passé la nuit. J'espère que t'as aimé. J'espère que j'ai aimé. Aimé quoi? J'espère que t'as passé une merveilleuse nuit hier soir. Cet idiot. Est-ce que tu es en train d'insinuer que Emeka est celui qui t'a mise enceinte? Mon roi, je ne sais pas. Je vous ai exactement dit ce qui s'est passé. Cet idiot. Ce fou. Lorsque c'est arrivé, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je ne l'ai pas pris au sérieux parce que je me disais que c'était juste un cauchemar. Tu es vraiment stupide. Pitié, pardonnez-moi, pitié. Mon roi. Où étais-tu donc lorsque Shima a prétendu la même chose? N'étais-tu pas là lorsqu'elle s'est fait renvoyer? Même si elle mentait. Alors pourquoi n'as-tu rien dit en ce qui te concerne? En tout cas, je ne te crois pas du tout. Alors, jeune fille, tu quittes ce palais demain, à la première heure. Oui. C'est incroyable de laisser naître un bâtard dans ce palais. Oui, c'est la maison royale. Et c'est interdit. Oui, alors va faire tes affaires. Tu t'en vas demain matin. J'en ai terminé. Non. Non. Je suis innocente. Oui, je sais, je sais. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je te jure. J'ignore comment c'est arrivé, je ne sais pas. Oui, ça va aller, ça va aller. Arrête de pleurer, ok? Thank you.
Chichi. Chichi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiète. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Martha. Mm-hmm. Tu sais que tu es la seule personne à qui je peux me confier dans ce palais. Je sais. Pour être honnête avec toi, à ce point, je suis confuse. Chichi, parle-moi. Que s'est-il passé? Je ne comprends plus du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est encore arrivé. Peux-tu le croire? Je ne peux pas croire que cela soit encore arrivé. Qu'est-ce qui s'est encore passé? J'ai encore été violée. Jésus-Christ! J'ai encore été violée. Quoi? Je ne sais pas. C'est ça le problème. Oh mon Dieu. Je ne sais même pas le dire. Je ne sais comment l'expliquer. Exactement comme la dernière fois. Ça va, ça va. Viens t'asseoir. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est derrière tout ça? Je pense que je devrais en parler. Je suis si confuse. Je suis si confuse. Je n'ai même pas de force. Chichi, tu sais qu'ils ne te croiront pas. Crois-moi, ils vont penser que tu veux la faire secouer afin de rester ici. Oui, ils ne te croiront pas. Dans ce cas, que me suggères-tu de faire? Parce que rien n'est clair à ce point. Je ne sais pas quoi faire. Je suis confuse. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Que dois-je faire? Tu devrais juste y aller. Que je parte? Oui. But it sounds so crazy, what is going on here? It sounds so stupid, what are you doing in this place? House of David has turned to the home of all iniquity, home of demons, what is going on here? Daylight robbers are here in this family, house of David, I can't comprehend. And demons should live in one family. House of evil, it makes me confused. Humans and demons, they live in one family. House of demons, I can't comprehend. But it sounds so crazy, what is going on? Chichi! Chichi! Chichi, qu'est-ce qui se passe? À te voir marcher en pleurant. Hein?
Quelqu'un est-il mort au palais? Non, personne n'est mort. Alors quoi? Hein? Oh, tu as même tes affaires. Et tu pleures et tu me dis que personne n'est mort. Je rentre à la maison. Retraite. Ou en congé de Noël. Hein? Ou tu es en vacances. Rien de tout ça. Alors, il y a un truc qui cloche quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Tu peux te confier à moi, dis au Djemba, hein? Si c'est quelque chose que mes pieds peuvent résoudre, ou que ma bouche peut résoudre, ou encore quelqu'un peut résoudre. Tu connais au Djemba, non? Je peux le faire. Le roi m'a chassé. Il a demandé que je rentre. Igwe, pourquoi ça? As-tu volé? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas une voleuse. Non, le roi ne peut pas te virer. Comment peut-il te virer sans raison? Que je rentre à la maison. Oui, vas-y, c'est un ordre clair. Mais il doit y avoir une raison. Hein? Non, il ne peut pas te demander de partir juste comme ça. Non, réfléchis-y. Je m'adresse bien à un être humain. Lorsque tu auras fini de regarder tes ongles et de me regarder, tu pourras parler. Ok, je vais te dire non. Allez, dis-moi, allez, parle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Je suis enceinte. Hein? Enceinte? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Comment? Quand? Qui est le responsable? Je ne sais pas. Je jure, je ne sais pas. N'ose même pas pointer le ciel. Car si tu le fais, le tonnerre pourrait te frapper. Si tu veux pointer le ciel, pointe le sol. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Tu l'ignores et tu pointes le sol en dansant. Tu l'ignores. Non, tu es tombé enceinte de façon spirituelle, comme l'autre. Parce que celle-là avait dit la même chose, je ne sais pas. Tu es tombé enceinte spirituellement. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui va se passer. Puisque tu ne sais pas et que tu tombes en scène spirituellement sans le savoir, tu sais ce qu'on va faire maintenant, hein? Non. Tu vas augmenter le volume de tes pleurs. Tu es avec moi? Oui. Et tu vas faire le tour. Youhou! Benage! Et arriver chez toi, dis à Oudi, ton père, que tu es tombé en scène de façon spirituelle. Okay. Et lorsque tu donneras naissance, moi et les aînés allons t'observer et voir ce que tu vas nous donner. Peut-être que tu ne vas rien accoucher. Du n'importe quoi, ou même de l'air, ou de l'oxygène. Je ne mens pas, je jure, je ne mens pas. Regardez, tu ne mens pas. Lorsque tu étais en train de faire, et que tu t'enjaillais, tu étais aveugle. Tu viens dire au Djemba. Je ne mens pas. Non, tu ne mens pas. Quand la personne responsable t'engrossait, quand il te frappait, te cognait fort, allait dans tous les sens. Tu avais les yeux bandés, c'est ce que tu veux me dire? Tu veux dire que tu étais aveugle? Tu m'as égoué. Elle est l'une des meilleures servantes que j'ai jamais eu dans ce palais, hormis Martha. Elle ne peut pas partir juste comme ça. Ma femme, arrête. Arrête. Écoute, je dois absolument faire ce qui doit être fait. Nous ne pouvons l'accepter, je veux dire. Nous ne pouvons pas autoriser qu'elle mette au monde un bâtard dans ce palais. C'est mal. Mais nous connaissons tous le père. Nous ne connaissons pas le père, personne ne le connaît. Parce que nous ne sommes même pas sûrs si Emeka est vraiment celui qui l'a engrossé. Hein? Est-ce qu'on a une preuve? Mais il a été surpris dans pareils actes avec la femme de ton frère. N'est-ce pas assez évident? Ma chérie, s'il te plaît, je n'aimerais pas du tout qu'on se dispute pour cette histoire. Je sais ce que tu ressens. Et sache que nous faisons tout notre possible pour arranger les choses. Donc s'il te plaît, calme-toi. D'accord? J'ai tellement de compassion pour elle. Jolie bébé. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ah, jolie femme, c'est comme si tu es encore sous la peine du départ de ta camarade. Jolie femme, ça va, hein? Calme-toi. Regarde, les gens disent, lorsqu'un enfant décède, une femme accouche de notre enfant. Calme-toi, tu es une belle femme. Tu es une belle femme, non? Calme-toi, regarde-toi avec tout ce beau corps-là. Hein? Tu es là ton épouse. Jolie femme sexy. Souris pour moi, non? Hein? Regarde ta main. Jolie femme. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais te parler après.
Regarde, hein, lorsqu'on se reverra après, je te dirai quelque chose que tu as besoin de savoir. Calme-toi, hein? Tu n'as pas besoin de pleurer. Calme-toi, jolie femme. Ah ah, jolie femme. La gossesse. Ah, jolie femme, pleurer ne va pas avec toi, tu le sais. Je suis le roi David, donc... Vous devez savoir que je suis le roi David, donc tout ce que je dis, tiens. Biebanuru neguarabo. C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. Ogunabo, le plus grand des rois. Onjemba Nkembo. Zingomba ne wemu 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 wemu. Vos enegare. Tu es dans la Bible, le roi David. Ouais. Le plus grand des rois. Mais laisse-moi te dire, si je ne te connaissais pas, j'aurais dit que c'est un fantôme qui engrosse, qui passe le temps à engrosser toutes ses ventes. Maintenant que je m'agresse au responsable, Onyeba Kuruku Nyame. Asia. Mais qu'est-ce que tu... Allez, Ojemba, c'est bon, baisse d'un ton. Que je baisse d'un oui, ton? Quelqu'un pourrait t'entendre. Ok, ne sois pas offensé. J'aurais dit que... C'est un fantôme qui a passé son temps dans ce palais à engrosser toutes tes servantes. C'est incroyable, tu t'imagines? Oh, Yeshua. Ça, c'est du bon vin. Ojemba, je n'aime pas ça. Hein? Tu aurais peut-être demandé et on t'apportait un autre verre. Comment peux-tu boire dans le même verre que moi? Pourquoi? Écoute, je t'ai fait une faveur. En buvant dans ton propre verre. En fait, laisse-moi te dire, tu es censé me remercier au lieu de me faire des manières. Parce que si je bois ça, si je finis ça, tu auras le champ libre de la rappeler et de faire ce que tu as à faire. Et Djogu, le Inyoko Lego. Ah, Ojemba. Tu sais, j'aimerais te dire un truc. T'inquiète, garde-le. Je poursuis mon chemin, à plus tard. As-tu vu ou entendu quelque chose? Non, votre majesté. Thank you.
Jésus! Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que tu... Arrête de crier. Que faites-vous là? Calme-toi. Calme-toi. Sortez, sinon Jules! Tu as certainement eu un cauchemar. Allez, calme-toi. Allez, je t'en prie, essaie de te calmer. Quoi? Je suis là pour te consoler. Sortez. Sortez. Sortez de ma chambre avant que je ne hurle. Je vais crier, je vais crier. Ne crie pas, ne crie pas. Je voulais te dire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Sortez, 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 sortez. D'où est-ce que tu viens? Tu t'es réveillé? J'ai entendu un bruit à l'extérieur, alors je suis allé jeter un coup d'œil. Mais ce n'était rien de grave, d'accord? Alors tu peux te rendormir, d'accord? Bonne nuit, ok? Ok. Ok. Absurde! C'est de la pure folie! Je ne peux plus le tolérer. Je le jure sur le trône de mon père! Si je découvre... Le responsable de tout ça! Oh! La personne ne s'en sortira pas du tout impunie, je le jure. Roi David, je suis confuse. Penses-tu que ce soit l'œuvre d'un être humain ou alors d'un fantôme? Un fantôme? Un fantôme? Un fantôme? Un fantôme? Pourquoi parlons-nous de fantômes? Écoute-moi très bien. Ça, c'est la maison du roi David, pas de Joseph. Maintenant, écoute-moi. J'espère. Et je crois fermement. Que tu n'as pas eu de rapport sexuel avec l'un des gardes. Et que tu aimerais le retourner à autre chose. Si seulement je découvre que tu as eu des rapports et t'es fait engrosser tout en racontant ceci, crois-moi. Je vais t'égorger vif. Oui! Mon roi, je vous le jure, je ne vous mens pas. J'ai été violée. Croyez-moi, mon roi. Assez! Dégage de ma vue. Je veillerai sur cette affaire. Merci, dégage. Mon roi. A-t-elle pu au moins se plus filmer le violeur, parce que je sais que... Oh, Jemba, tu t'imagines bien qu'elle ne l'a pas fait. Oh! Cela signifie qu'il y a un truc qui ne va pas. Le viol spirituel a encore frappé dans ce palais. Hé, hey, abomination! Ogunabu, laisse-moi te dire quelque chose. En fait, tu n'as pas besoin de ma permission avant de trouver une solution à tout ça. Oui, parce que vu le cours des choses, lorsqu'ils en auront terminé avec les servants, ta femme ici présente sera la prochaine. Tu peux me que croire. Que Dieu m'en garde. Quoi? Je le rejette. Amen. C'est bien de rejeter. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas fou. Hein? J'ai l'esprit et mon cœur intact. Sûr, bien sûr. Bien sûr. Laisse-moi te dire, tu connais ma femme. Tu sais comment je la gâtais, je l'adorais. Elle a fini par être l'une des victimes. Dieu merci, Soka était un abus physique. Oh, on l'a violée dans les conditions physiques. C'était un viol physique. Le cas de ta femme ici présente sera 1000 fois pire, car ce sera un viol spirituel. La balle est dans ton camp. Fais quelque chose. J'ai fait ma part des choses. Bukele, Yerabasha. Hé, Amande Kwen, dis-moi. Ibon, Namagese. Avant, me tirer qui Ichomoke. Nyawanja. Avant que Majora ne descende, suis-moi. Moi, je veux faire y aller. Hé!
Oh, c'est bon, ça va. Ok, lorsqu'il reviendra, assure-toi de bien lui dire ce qu'on s'est dit. C'est bien compris? N'oublie surtout pas, dis-lui exactement ce qu'on s'est dit, d'accord? Bon, maintenant il faut que j'y aille. Je suis vraiment attendu, d'accord? D'accord. Tu sais, c'est vraiment important. Ne l'oublie surtout pas. Mon roi, ma reine. Martha, qu'est-ce qu'il y a? Mon roi, ma reine, j'aimerais vous demander une faveur, s'il vous plaît. Vas-y. Mon roi, c'est au sujet des nouvelles mesures que vous avez prises. Et de quelle décision est-ce que tu parles? Le fait que toutes les filles dorment dans une chambre. As-tu un quelconque problème avec ça? Oh, ma reine, jamais de la vie, pas du tout. Qui suis-je pour aller à l'encontre de vos décisions? Alors, c'est quoi le problème? Mon roi, j'aimerais juste que vous me donniez la permission d'utiliser ma salle de bain. Et c'est tout? Oui, Votre Altesse. C'est d'accord. Tu peux l'utiliser. Merci, Votre Altesse. Merci, ma reine. Je t'en prie. Tu n'as pas remarqué quelque chose? Remarqué quoi? Est-ce que tu sais que... Tu sais très bien que le roi est un homme assez sage. Bien sûr que c'est un homme sage. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi t'expliquer. Ok. As-tu remarqué que depuis que les filles ont commencé à dormir ensemble, cette histoire de viol a cessé? Exactement! Exactement, mon frère. Tu sais, ça veut dire que ce n'est pas un fantôme. C'est un être humain. Oui. Ouais. Le roi a pris une sage décision. Mon frère, puisque l'oiseau a décidé de se détacher de sa troupe, il sera ciblé par le chasseur. Exactement. Quittons d'ici maintenant, avant qu'on ne nous voie. Alors, Martha, ce que je veux dire... C'est qu'assure-toi de bien faire les choses. Tu dois faire du bon travail, hein? Tu dois faire du bon travail. Et je crois fermement que... À chaque fois que tu es... viens. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as demandé la chambre? C'était pour me voir? Votre Altesse. Votre Altesse. Que Dieu m'en garde. Vous voyez pourquoi? Vas-tu continuer à me refuser? Hein? Vas-tu continuer à me refuser? Allez, ouvre-toi, au moins pour une fois, mon bébé. Ouvre-toi. Votre Altesse. Honnêtement, je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, Martha, laisse-moi te dire ceci. Écoute, peu importe le temps que tu essaieras de te garder, hein? Tu sais, tu ne peux pas du tout le garder. Oh, Votre Altesse, veuillez m'excuser, mon roi. Ok, mon bébé. Ok. Gram Aforevo Dubbing sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Waouh! Quand? Après-demain? Oh, mon Dieu, je suis impatiente de vous voir tous les deux. Oui, bien sûr. Ne t'en fais pas, je ferai exactement cela, ok? Oui, oui. D'accord, fiston. S'il te plaît, prends bien soin de toi et de ta sœur. Je vous aime. Bye.
Je t'ai entendu parler avec ma tendre et belle fille. Oui, en effet. Donc, nous devons tout préparer pour leur arrivée. Oh, comme ça, la pression commence immédiatement. Ne t'en fais pas, je vais tout organiser. Le prince et la princesse de ce royaume seront bientôt de retour à la maison. Bien. Et pour ajouter à ce qu'a dit le roi David, mon cher mari. Ouais. Je veux voir leur chambre très soignée et impeccable. Et ils nous ramènent un étranger. Alors vous devez aussi préparer une autre chambre. Et je veux voir cet endroit briller de mille feux. Bien. J'espère que je peux compter sur vous. Et essayer de vous ressaisir car je ne tolérerai aucune erreur de votre part. Est-ce que c'est clair? Oui, ma reine. Ok. Donc, que les préparatifs commencent. Martha, viens s'il te plaît. Ma reine. Oui, ma reine. J'aimerais que tu me fasses une très délicieuse sauce de nobu pour mon fils. Ok? Oui, ma reine. Tu pourrais aussi préparer de l'égoussi, d'olora et du nzara. Mais pour ce qui est de la sauce au nobu, je la veux spécialement pour mon garçon. D'accord? D'accord, ma reine. Tu peux... Attends, j'aimerais comprendre. Reviens, reviens. Ma chérie, que vas-tu préparer pour ma fille? S'il te plaît. Ta Quoi? Fille pourrait manger absolument tout ce qu'elle c'est veut. Bon, arrête. Mais les épinards, c'est pour mon fils. Ok, Martha, tu peux disposer. Merci, ma reine. C'est bon, allons-y. Martha, j'ai réfléchi. Réfléchi? Oui. À quel sujet? Par rapport à la façon dont on prépare l'arrivée du prince et de la princesse. Hé hey Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mary. Quoi? Ne me dis pas que t'es jalouse. Moi? Jalouse? Je ne suis pas jalouse. Ça se voit partout sur toi. Personne ne sait jamais. Autant préparer pour la venue de Christ. Ou c'est parce que nous ignorons quand il reviendra. Hey! Oh, John! Je ne sais pas où. Ha! Mais je peux lire ta jalousie sur ton visage. Moi, jalouse. Mm-hmm. Jamais je ne serai jalouse. Je ne serai jamais jalouse. Tu l'es. Je ne t'en fais jalouse. Pas. Dans ta prochaine vie, tu seras une princesse. Moi. Crois-moi. Et qu'est-ce qui te fait croire que je n'aime pas se t'habiller?
Ça, c'est ma fille préférée. Papa. Salut, papa. Quatre-neuf. Oh. Tu as l'air en pleine forme. Papa. Maman. Oh, mon fils. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ça fait plaisir. Comment tu vas? Tu m'as tellement manqué. Je suis contente de toi. Mais avec quoi est-ce qu'on le nourrit? Papa, comment tu vas? Je suis très content. Maman. Bonne arrivée, mon garçon. Je vous salue, ma reine. Content de te voir, papa. Ça, c'est mon garçon. Merci, ma reine. Merci, papa. Je vais bien. Qui est-ce? Ok, je vous présente mon ami, c'est un clown, je l'ai emmené ici pour vous distraire un peu. Je vous salue. Ah, mon grand, comment ça va? Ah, sois la bienvenue, mon garçon. Merci. Oh, génial. Vraiment génial. Allez, allons-y. Ouais, allons-y. C'est aussi un rappeur. Oh, un rappeur. Viens, papa. Maman, s'il te plaît. Bébé, toi de neuf, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Où étais-tu passé? Ton père a une très belle baraque. Oh, tu faisais le tour? Ouais, la maison est splendide. J'adore cet endroit, tout comme je t'aime. Ok. Je t'aime aussi. Oh, vraiment? Ok, attends. Attends, ça suffit, attends. Mais que faites-vous là? Chut, baisse ton ton. Baisse ton ton. Comment tu vas? Qu'est-ce que je vous ai fait? Voulez-vous que je perde mon boulot? Pourquoi ne me fichez-vous pas la paix? C'est exactement ce que j'attends de toi. Que Dieu m'en garde! Je rejette cela, Non, ne fais pas ça! Ne fais rien! Si jamais tu perds ton job, je le prendrai sur moi. Je t'aiderai à trouver un autre. Te donnerai un meilleur travail, 10 fois mieux payé que celui-ci. Allez, ça te plairait pas? Merci. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de votre job. Laissez-moi tranquille. Bébé, écoute, je t'aime. Hey. Et c'est pour ça que je fais tout ceci. Et rien ne va changer cela. S'il vous plaît. Voyons, accepte, c'est simple. S'il vous plaît. En fait, je me mets à genoux. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Lève-toi. Je vous en supplie au nom de Dieu. Ne m'aimez pas, s'il vous plaît. Attends. Pourquoi tu me hais autant? Pourquoi tu m'aimes? Ne suis-je pas assez bien pour être ton homme? Écoutez, ce n'est pas que je vous hais. Je déteste les hommes de tout mon cœur. Oui. C'est une blague? Une blague? Martha? Oui, ma reine! Je déteste les hommes de tout mon cœur.
Bébé, t'es encore debout. Pourquoi tu ne dors pas? Eh bien, je pense au genre de maison que je pourrais construire sur ce site. Je pense à ce style de maison. Je suis tellement confus. Bébé, c'est très adorable. Tu penses à notre maison? Ouais. Tu dois dormir, ok? Il est tard. Nous allons en discuter demain. Ok. Ferme okay. les yeux. D'accord. Quoi? Joe, tu m'as fait l'amour sans mon consentement, pourquoi? Moi? Te faire l'amour? T'as perdu la tête? Qu'est-ce qui te prend? Quelqu'un pourrait te faire l'amour sans que tu ne t'en rendes pas compte? Es-tu un morceau de bois? Peut-être un rêve, tu sais. C'est pas mon problème. Où est passée ma brosse à dents? Tes bêtises commencent vraiment à m'emmerder. C'est très agaçant. C'était sûrement un... Joe! Oui. Ok. D'accord, je te rappelle. On fait ça, mon frère. Ok. Salut. Quel est ton nom? Martha, mon prince. Tourne-toi. Martha. Tourne-toi. Prince. T'as de belles formes quand même. T'es vraiment pas mal. Désolé, mon prince. T'es désolé? As-tu fait quelque chose de mal pour t'excuser? Excusez-moi. Tu peux disposer. Tu y allais comme ça? Tu voulais aller voir cette bonne, n'est-ce pas? Tu voulais aller voir cette bonne. Quoi? Quel domestique? J'ai entendu tout ce que tu disais à oncle Ojemba dans la cuisine. J'ai tout entendu. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Même dans la maison de mon père, tu n'arrives pas à te contrôler? C'est quoi ton problème au juste? Écoute, je n'ai aucune idée.
de ce dont tu parles. Écoute, c'est juste aller à la cuisine pour regarder le style de cuillère, pour avoir une idée de ce que j'achèterais dans ma propre maison. N'écoute pas ton idiot, donc il raconte des conneries. Et tu t'attends à ce que je te crois ? Bien, c'est pas le cas. Je ne te crois pas, pas du tout. À présent, tu crois à ton oncle, c'est ça ? Je déteste quand tu doutes de moi. Tu sais quoi ? Je pense que je serais plus à l'aise dans la chambre d'amis. Je vais me coucher là-bas. Pars ! Pars ! C'est tout ce que tu sais faire ! Pars ! Mais il est à moi, non ? Ok, dis-moi une chose, tu veux. Quel est le problème avec Joey ? Est-ce que vous avez des soucis ? Ah ah, où est-il ? Le mec est quelque part là derrière à traîner tout seul. J'ai essayé de lui demander ce qui n'allait pas, mais il n'a pas voulu m'en parler. Alors dis-moi, quel est le problème ? Ada, comment peux-tu le laisser tout seul dans la maison de ton père ? Hein ? S'il te plaît, va le chercher tout de suite. J'ai dit, maintenant. Mais maman, tu ne sais même pas ce qu'il a fait. Je n'en ai rien à faire. Je ne veux rien savoir. S'il te plaît, va le chercher. Papa ? Ma chérie, va te réconcilier avec lui. Il est ton homme. Hein? Allez, vas-y, va te réconcilier avec lui. Bien parlé, papa. Dame de fer. Ah non, pas du tout. Je pense qu'elle tient ça de c'est... maman. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment non, vrai, ça. Non. Elle tient ça de toi. Ça, jamais, elle tient ça de toi. Jamais. Elle tient de toi, elle te ressemble, c'est ton fruit. Mon bébé. Tadam! Allez, fais-moi un sourire, s'il te plaît. Ok. Je suis désolée, s'il te plaît. C'est bon. C'est bon? Si c'est le cas, alors allons à l'intérieur. Je veux pas aller là-bas. Pourquoi? Je t'ai dit que j'étais désolée. Je m'excuse. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai entendu, mais je veux rester seule. Je ne veux pas que tu sois seule. Je veux que tu sois avec moi. Ou tu penses que j'ignore ce qui se passe, c'est ça ? Quoi ? Toutes ces servantes, elles te calculent. Et toi aussi, tu les regardes, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu... Avec ton regard sexy. Allez, allons à l'intérieur. Je suis désolée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien. Elles doivent savoir que tu es ma gauche et ma droite. Parole de qui ? Ma parole. Donc je suis maintenant avec toi, mon jus. Allez, allons dedans. Ok ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolée, 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 désolée. D'accord. S'il te plaît. D'accord, à une condition. Et qu'est-ce que c'est ? Donne-moi un baiser. Toi ! Qu'est-ce que tu es vilain ! Mais je vais le faire parce que je t'en dois une. Ferme les yeux. Ça te va ? Non. Oh, oh ! Non, tu triches. C'est aller trop vite. Hein ? Tu veux que j'aille voir les filles ? Ok. Peut-on y aller maintenant ? Bien sûr que okay. Non. Je veux encore un baiser. Allez, bien qu'on y aille. Allez, Jean, je veux encore un. Ah. Allez, viens, on y va. C'est bon, tu peux disposer. Papa, maman, je l'ai ramené. Apportez donc une chaise à mon ami, il doit s'asseoir. Il a l'air stressé. C'est un chic type ce gars. Hein? Assieds-toi. Sois la bienvenue. Merci. Tu vois, je l'ai dit et je continuerai de le dire que la paix dans une famille dépend de la femme.
Ouais. Oui, parce que c'est une capacité naturelle qui leur a été donnée par Dieu Tout-Puissant. Oui, cette grande qualité qui leur a été donnée, si elle l'utilise très bien, eh bien l'homme sera en paix avec tout le monde. Mais le seul problème, c'est que si cette dernière abuse de cette qualité, de ce pouvoir que Dieu leur a donné, la famille sera dans les problèmes. Bien, ça c'est très vrai, papa. Mais on est tous d'accord que les hommes sont de gros manipulateurs. Pardon? Oui. Ah non, non, attends, attends, je le sais ça. Je le sais très bien, je ne dis pas que cela n'est pas la vérité. 80% des hommes sont des fauteurs de troubles. Mais en même temps, ce don que Dieu leur a donné, les femmes, si vous les utilisez pour ces hommes, ils n'auront pas le choix que de devenir pacifiques. Oui, tout ce que vous avez à faire, c'est de déclencher cette capacité que Dieu vous a donnée. Peu importe si cet homme est violent, alors cet homme va se calmer. Et qu'en est-il de la situation où l'homme refuse d'accepter ses torts? Alors, grand professeur, donnez-nous des leçons. Que je vous donne des leçons? Que je vous donne des leçons, jeune gens? Oui, papa. Eh bien, je continue. Il y a des hommes comme ça. Oui, il y a des hommes comme ça. Vous savez, tout dépend de la femme. Parce que tout ce qu'elle a à faire, c'est ça. Juste fermer les yeux sur tous ses excès. Tu dois les surpasser. Assure-toi de ne pas te disputer avec lui. Parce que cet orgueil de l'homme est toujours là. Fais-lui comprendre qu'il est l'homme de la maison. Et quand tu vas le faire, la prochaine étape, la deuxième chose la plus importante, c'est quoi? La prière. Vous devez prier sérieusement à ce sujet. Et je vous le dis, la solution viendra aussi simple que ça. Papa marque un point. Je marque un gros point. Eh bien, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Yes. C'est moi, Martha. Entre. Bonsoir, ma reine. Martha. Ma reine. Que faisais-tu à la cuisine? Je fais la vaisselle. Ok. Tu m'as dit que tu savais faire des massages, n'est-ce pas? Parfaitement, ma reine. Ok, nous allons faire un essai aujourd'hui. J'ai mal un peu de partout sur le corps. Peux-tu faire ça? Oui, ma reine. Ok. Termine ce que tu fais et tu viens. D'accord, ma reine. C'est bon.
Je vous salue, princesse. Oui, où vas-tu? Que fais-tu là? Je t'ai appelé la reine, mais elle dort. Ça fait environ 20 minutes que mon père t'a envoyé chercher ma mère. Et je crois bien qu'il t'a demandé de dire à Martha d'aller chercher maman. Alors, que fais-tu là? Martha n'est pas dans la cuisine. Je ne l'ai pas trouvée, j'ai fait la tâche moi-même. Ok, d'accord. Mon père veut te voir. Maintenant? Et que veux-tu dire pas maintenant? Monsieur, allez-y. Idiot. Non, ce n'est pas possible. Jésus-Christ, ce n'est pas vrai. Maman, maman, que s'est-il passé, maman? Où est Martha? Maman, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? S'il te plaît, va m'appeler Martha, s'il te plaît. Ok, maman, s'il te plaît, vas-y doucement, calme-toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je te demande d'aller l'appeler. Oh, tu refuses de faire ce que je te dis? Ok, c'est bon, j'ai... T'inquiète, maman, attends. Vas-y, maintenant, vas-y. Vas-y. Ok. Martha? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Maman, Martha est là. Martha? Ma reine. Quand as-tu quitté cette chambre? Votre Majesté, après avoir massé la reine, pardon, je la massais encore quand j'ai remarqué qu'elle s'est endormie. Je ne mens pas. Je ne pouvais pas fermer la porte parce qu'elle est à l'intérieur et je ne pouvais non plus la réveiller. Votre Majesté, je n'ai pas vu Sylvanus, je ne l'ai pas vu. J'étais dans la cuisine. Tu ne m'as pas cherché, je ne t'ai pas vu. Papa, c'est lui. C'est cet idiot-là. Je l'ai vu descendre des escaliers après avoir mis beaucoup de temps. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit que maman dormait encore. Il est le seul à savoir ce qui est arrivé à maman. Sylvanus. Sylvanus, donc c'est toi! Sylvanus, donc c'est toi! Votre Altesse! Votre Altesse, ce n'est pas moi! Ah non! Je suis innocent! Toi! Donc tu as eu le culot de violer ma femme? De violer ma femme après avoir violé toutes les servantes de ce palais? Tu! Où est-il? Attends! Mon fils! Reviens! Prince, reviens! Maman! Maman! C'est bon maintenant.
père, laisse-moi passer. Je vais m'occuper de ça, je t'en prie. Laisse-moi passer. Alors tu vas devoir me passer dessus. Tue-moi. Je ne bouge pas d'ici. Bon sang, où sont passés tous ces gardes? Pourquoi n'as-tu pas laissé mon fils tuer cet abruti? Pourquoi? La meilleure option. Ce n'était pas la meilleure option. Tu vois, ça c'est une maison royale. Et nous ne pouvons pas du tout permettre qu'il y ait un meurtre ici. Tu vois, ce serait mal. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive vraiment pas à le croire. J'ai mal, j'ai très mal. Je suis désolée, ma chérie, et je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu ressens et cesse de pleurer. Je te promets que cela n'arrivera plus. Essaie de te ressaisir. Je t'en prie. Je ressens ta peine. Ce garçon est un monstre. Oui. Il a eu le culot de manipuler tout le monde. J'ai juste envie de l'étrangler de mes mains. Ne t'en fais pas pour ça. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Il est entre les mains de la police. Ils vont se charger de lui. Et il va confesser comment il a manipulé toutes ses victimes. Ok? Il va avouer. Tout ce que moi je veux pour l'instant, c'est que tu ailles voir un médecin pour qu'il te fasse un bilan de santé. D'accord, ma chérie? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Oh mon Dieu! Donc, ce qui m'est arrivé l'autre soir n'était pas un rêve? Ce n'est pas possible. Tu ramènes encore cela? Oublie cette histoire. Et comment peux-tu t'attendre à ce que j'oublie un événement aussi agaçant? Comment? Écoute, Ada. Ce qui est arrivé n'est pas forcément la même chose. C'est la même chose. Et tu mens. Tu essaies juste de me calmer, pourtant tu sais bien que c'est vrai. Je me trompe? Comment est-ce possible? Ce n'est pas vrai. Écoute, mon amour. Ce qui est arrivé à ta mère n'est entièrement pas pareil. C'est la même chose. Ça l'est. Bébé, cette chose m'a touchée. Il m'a touchée. J'ai juste envie de me suicider. Non, je veux me suicider. Il faut se calmer, d'accord? Calme-toi. Tu vas le surmonter, d'accord? Écoute. Je vais te faire oublier tout ça. T'embrasser. Et faire la meilleure chose qu'un homme puisse faire à une femme. Et tu vas oublier tout ce qui s'est passé. Laisse-moi t'aimer, bébé. Allez, viens là. Bonsoir, ma princesse. Bonsoir. Avez-vous vu Joe? Non, ma princesse. Mais où peut-il être? Joe? Joe! Joe? Martha? Martha? Joe!
Joe? Mais, bébé, que fais-tu par terre? Joe? Elle va bien, mon roi. Parfaitement bien, mon roi. Non, docteur, non, docteur. Les étourdissements deviennent autre chose, hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Votre Majesté, elle va parfaitement bien. J'ai les résultats. Elle est juste enceinte. Enceinte de, je dirais, de 3 mois. Quoi? 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 Vous n'êtes pas sérieux. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas être enceinte. Maman, 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 dis-lui, dis-lui. Je ne suis pas enceinte. Princesse, calmez-vous. Comment pouvez-vous me dire de me calmer alors que vous venez de me dire que je suis enceinte? Je ne le suis pas. Ce sont les résultats de mes examens. Ah, ok, docteur, c'est bon. Vous pouvez disposer maintenant. Merci beaucoup. Encore merci d'être venu et je vous appellerai plus tard. Merci. D'accord, pas de problème, votre majesté. Ma reine, s'il vous plaît, veuillez prendre soin d'elle. D'accord. Bien, j'y vais. Maman! Non, 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 maman! Non. Hey! Comment? Non, c'est pas vrai. Hey! Maman, comment puis-je être enceinte? Maman! Ma belle, que se passe-t-il? Je t'ai entendu crier, c'est quoi le problème? Le docteur vient de partir. Il a dit que je suis enceinte, mais je ne le suis pas. Quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a juste dit ça. Je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Non. C'est impossible. Papa, maman, que se passe-t-il ici? Je veux savoir, dites-moi. Ah non, toi, vas-y, parle-lui si tu veux. Ah! Mais pourquoi est-ce que vous faites toutes ces messes-basses? Je veux savoir, là. Expliquez-moi, je comprends pas. Calme-toi, fiston. Calme-toi. Tu ne peux pas comprendre. Comment ça? Obi. Obi. Ada. Cette chose. Comment est-ce possible? Comment? Comment, maman? Comment, non? Comment est-ce possible? Non, maman. Non. Non, maman. Non. Non. Non, maman. Non. 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 C'est bon. Maman. C'est bon. C'est non, bon. Maman. Non. Ok. C'est bon. Ce n'est pas la fin du monde. What is so crazy? What is going on here? Sounds so stupid. What are doing in this place? House of David has turned to the home of all iniquity. Home of demons. What is going on here? Daylight robbers are here in this family. House of David, I can't comprehend.
this a dream or reality? I don't understand. I can't be happy. Could you please tell me why humans and demons should live in one family? House of evil, it makes me confused. Humans and demons, they live in one family. House of demons, I can't comprehend. But it sounds so crazy, what is going on here? It sounds so stupid, what are doing in this place? House of David has turned to the home of all iniquity. Home of demons, what is going on here? Daylight robbers are here in this family. House of David, I can't comprehend. Pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Pourquoi? Calme-toi, hein? La situation est sous contrôle. Puisque le coupable a été arrêté, c'est la preuve qu'on peut faire quelque chose. Papa, la façon dont vous parlez de cette histoire va finir par me rendre dingue! Ça me rend fou! J'aurais dû tuer ce mec! Au pire, je serais juste allé en prison! Ce garçon mérite de mourir. Pourquoi est-ce que je n'ai pas tué ce mec? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas tué? Pourquoi? Non, calme-toi, mon fils. Laisse que le docteur vienne. Afin qu'il nous dise ce qu'on doit faire de cette grossesse. Non! Nous n'avons pas besoin de ce bâtard! Dites au docteur de nous débarrasser de cette grossesse! Ma reine, va dans la chambre d'Ada. Amène-la ici. Oui, elle a été enfermée pendant un moment. Amène-la ici. Maman, dis-lui bien que nous n'avons pas besoin de bâtards dans cette famille. Seigneur, pourquoi? Fais-la venir ici. Oh, qu'est-ce que j'ai été stupide. Alors pendant ce temps, j'ai été si stupide que j'ai passé mon temps à renvoyer les gardes et les servantes innocentes, hein? Oh. Ada, mon amour, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Parle-moi, s'il te plaît, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, s'il te plaît. Maman, c'est encore arrivé. Qu'est-ce qui est encore arrivé? Maman, j'ai encore été... violée. Quoi? Thank you.
Ada. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? S'il te plaît, parle-moi, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, s'il te plaît. Maman, c'est encore arrivé. Qu'est-ce qui est encore arrivé? S'il te plaît. Maman, j'ai encore été violée. Quoi? Comment? Hein? Non. Non. Non, ça ne peut pas être vrai. Non. Non, non, mon Dieu! Non! Non, non, non! Pas encore, non, non, votre majesté! Qu'est-ce qu'il y a? Où est ma fille? Écoute, si tu ne fais rien à ce sujet, je vais quitter cette maison! Maman, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ta sœur a encore été violée! Hé! Hey! Quoi? Où est-elle? Ma fille chérie! Ada! Hé! Hey! Karuna, mets-moi miaou! Karuna, mets-moi miaou! Hé! Hey! Non, ce n'est pas possible! Ma fille! Ça, ce n'est pas ordinaire! Ce n'est pas du tout ordinaire! Hey! Ngegolo gumao! Kolege megie! Mon Dieu, Ada! 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 Eh oh! Que s'est-il passé? Hey! Hey! Ma chérie, Ada, ma fille est morte. Non. Ouvre-moi. Ada. Ada, allez. Qu'est-ce que vous regardez? Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous me regardez? Ada! Mon Dieu,
Hey! Chai! Écoutez les gars. Écoutez, en ce qui me concerne, je ne suis plus du tout à l'aise à l'idée de travailler dans ce palais, du tout. Quoi qu'on dise, je me tire d'ici. Quant à moi, je préfère mourir dans la maison de mon père que de mourir à cause d'une chose dont je ne sais rien. Je retourne chez mon père. Mes frères, Dieu merci, il ne m'a pas fusillé. Je retourne directement chez mes parents. Et à mon arrivée, j'irai faire une action de grâce. Prince Obi, je t'ai fait venir ici dehors afin de discuter des choses importantes pour toi. Oui. Je t'écoute. Oui. Mon oncle, ma sœur est morte. Ada, mon unique sœur, est aujourd'hui morte. Je sais, et j'aimerais te supplier pour une chose. S'il te plaît, tiens un coup. Sois fort. Ne me dis pas que tu es une poule mouillée. Je veux que tu aies le cœur d'un homme. Un cœur dur. Hein? À part cela, si tu ne le sais pas, tu es le prochain roi de ce royaume. Hormis ton père, Machonayafo, dont j'aimerais qu'ensemble, qu'on puisse bien s'accorder pour qu'à l'unanimité, on puisse résoudre le défi auquel le palais fait face en ce moment. C'est évident que le roi David, mon frère, qui est ton père, est un roi sans sagesse. Donc, pour ce fait, j'aimerais que tu le fasses pour toi-même. Et pour la famille tout entière. Tu me comprends? Fais-le pour toi et pour toute la famille, afin d'éviter à cette famille de perdre le trône. Ce même trône à des étrangers. Au cas où tu ne le sais pas, les gens de l'extérieur cherchent à répandre ce qui se passe dans ce palais. Manuka va y aimer. Cela n'arrivera jamais. Parce que si jamais ça arrive... Ce ne serait pas bon pour l'oreille qui l'entendra. Moi, j'étais déjà tout dit. Donc, c'est à toi de faire le choix. En bon entendeur, salut. Oh! Oncle Zenba, tu n'es pas sérieux. Mon prince. Où est-ce que vous pensez aller comme ça avec vos sacs? Oh, ça va d'ici, on ne veut plus travailler. Attends, tu t'en vas où vous vous en allez? Oh. C'est à cause de ce qui s'est passé. Oui, mon prince. John. Mon prince. John, as-tu une sœur? Oui, mon prince, j'en ai une. Que ressentirais-tu si on assassinait ta sœur de sang-froid? Ada était mon unique sœur. Ma sœur que je chérissais. Je l'aimais vraiment beaucoup, tu sais. Quiconque aime sa sœur, comme j'aimais la mienne, aurait exactement réagi comme je l'ai fait. Mon oncle, allons-y. Mon prince. Attends, s'agenouiller, c'est pour avoir la permission de rentrer chez toi? Pas du tout, monsieur. Mon prince. Nous sommes tous désolés, mon prince. Voilà. Pour ma part, je ne suis pas responsable de tout ça. Je sais ce que vous ressentez en ce moment. S'il vous plaît, soyez très fort. Et pardonnez-nous. Oui, mon prince. Nous allons rester. Oui. Nous allons tous rester. Oui. C'est bon, levez-vous. Retournez à vos postes. Merci, monsieur Odjemba. Merci. Allez-y. Ok, mon prince. Merci, monsieur. On y va, les gars. Mon oncle, allons-y. On y va. Allons-y.
Martha. Mon prince. Comment vas-tu? Je vais bien, et vous? Je vais bien. Mon prince. Je suis vraiment navrée pour tout ce qui s'est passé. Allez-y doucement, afin de ne pas vous faire de mal, ok? Oui, je sais. Martha. Est-ce que tu voudrais m'épouser? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Si je peux me permettre. Mon prince, je ne vous connais pas vraiment. Et d'ailleurs, mon prince, je ne pense pas être prête pour le mariage maintenant. Tu veux dire que tu n'as aucune raison de refuser mon offre? Regardez ce que vous avez fait. Ce n'est rien. Accepte, s'il te plaît, Martha. Deviens ma femme, s'il te plaît. J'aimerais beaucoup me marier avant de retourner aux États-Unis, tu sais. Mais ce n'est pas la seule raison. Je pense vraiment beaucoup à toi ces derniers temps, alors s'il te plaît, Martha, épouse... Non, mon prince. Ne vous ingénuez pas pour moi. S'il vous plaît, je ne peux pas. Je ne te ferai jamais de mal, tu peux me croire. Épouse-moi, s'il te plaît. Non, mon prince, il y a tellement de filles dans ce royaume. Vous pouvez aller épouser l'une d'entre elles. C'est bon. C'est dit. Je te comprends, tu sais. Je te jure, c'est pas une blague. Je ne suis que ton patron, que tu connais à peine d'ailleurs. Mon prince, je vous selle au petit déjeuner. Non, te dérange pas. Je suis très contente pour elle. Alors, on va dire princesse Martha. Princesse Martha et prince Obina. Et nous allons lui servir à manger. Vraiment. Écoute alors celle-là. Félicitations. Pourquoi fait? Oh, ça? Vous croyez que j'ai dit oui? Que Dieu m'en garde. Attends, Martha. Ne me dis pas que tu es sérieuse. Non, elle rigole juste. Non. Je ne rigole pas. Je ne peux pas l'épouser. Je ne peux pas juste l'épouser, s'il vous plaît. Tu mens. Laisse-moi voir ton doigt. Allez. Oh. Ça ou ça? Ok. Il n'y a rien là. Laisse-moi te fouiller. Ah. T'inquiète pas. Va t'asseoir, je vais me fouiller. Il n'y a rien là. Ah. Hey, ça c'est incroyable. Quoi? Tu veux dire que tu as refusé la demande du prince Tamago? Hey. Quelque chose ne va pas là. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Martha, mais c'est le prince. Prince. Attendez. J'ai l'impression de rêver. Que quelqu'un me réveille, s'il vous plaît. Martha, Obina t'a fait sa demande et tu as osé refuser? Hein? Tu es malade? Quoi? Oui. Sandra. Oui. C'est toi qui es malade. En fait, tu as perdu la tête. Regardez-moi celle-ci. Est-ce que ça te regarde? Dis-moi, est-ce que ça te regarde?
Ce que je fais de ma vie n'engage que moi. C'est ma vie. Et je vais la vivre comme ça me chante. Et d'ailleurs, si tu aimes le prince, pourquoi ne vas-tu pas lui faire ta demande? Allez, épouse-le. Après tout, tu es une très belle fille. Hey. Lia. Martha. La pauvreté coule dans tes veines, c'est ça? Hey. Je n'ai pas votre temps, les filles. Je dois travailler. Excusez-moi. Les filles, vous voyez. Regardez. Hey. Tu as complètement perdu la tête. Hey. Les filles, quelle opportunité. Mon Dieu, Dieu, pourquoi pas moi? Pourquoi pas une fille? Ne suis-je pas belle? Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je suis jolie. Fais pas attention je à elle. Pas besoin. Il y a un truc. Il y a un truc qui cloche chez elle. Oui. Il y a un truc qui cloche chez Martha. Je crois. Je veux dire, qui dirait non face à une telle opportunité? Un prince. J'ai vu le prince s'agenouiller devant elle. Je crois qu'elle l'épouse. Tu es sérieux? Hey! Incroyable. Mais c'est grave. Si seulement j'avais ce genre de chance. Hein? Incroyable. Tu as fait ta demande à Martha. Et elle a refusé ta demande. Oui. Elle a carrément refusé. Elle a dit non. Hein? Même si ça ne me surprend pas. Hein? Sans tenir compte de ton statut dans ce palais. Étant le prince d'Amago. Sans regarder même ton argent. C'est incroyable. Je te l'avais dit. Omekananaya, je te l'avais dit que c'est le genre de femme dont j'aimerais que tu te rapproches. Ivanodowichorlan. Elle n'a pas regardé ton argent, ni ton statut. C'est elle qui te faut. Elle a la tête sur les épaules. Ah, peut-être que j'y suis allé un peu trop vite. Je vais lui laisser un peu plus de temps pour réfléchir. Peut-être qu'elle changera d'avis. C'est bien. Et j'espère. Et je prie qu'elle finisse par accepter ta proposition. Parce que tu as besoin de ce genre de femme. Oui. Mon oncle, j'ai trouvé cette fille-là. Celle dont on a parlé la dernière fois. Tu es sérieux? C'est ce genre de nouvelles que je voulais entendre venant de toi. Maintenant, utilisons-le pour le cas de Martha. Est-elle comme nous avons discuté? Oui, elle est très belle. Vraiment jolie. Super. J'aime ça. Merci, mais... Le truc, c'est qu'elle coûte un peu cher, tu vois. Environ combien? On s'est entendu sur 200 000 pour 2 mois, c'est-à-dire 100 000 par mois. Tu en penses quoi, toi? 100 000 par mois. Métasov, qu'en est-il de... Mekaophos? Et si on réussissait en une semaine, que se passera-t-il? Elle prend toujours de l'argent, 200 000. Je sais que c'est un job risqué. Je sais. C'est pourquoi nous devons nous préoccuper de la fille et non de l'argent. Hein? C'est ça. J'espère que d'ici lors, on aura attrapé le coupable. Is this a dream or reality? I don't understand. I can't be happy. Could you please tell me why? Humans and demons should live in one family. House of evil, it makes me confused. Humans and demons that live in one family. House of demons, I can't comprehend.
N'est-ce pas, Ochemba? Wani gere ago negade ngwaren ngwamu. Onwa ka no gere men anu. Bonsoir à tous. On me canne. Ewo! Papa, voici la fille dont je t'ai parlé l'autre jour. Elle s'appelle Pluti. Bonsoir, Votre Altesse. Sois la bienvenue. Merci, madame. Fiston, mon garçon. Odogu, elle est splendide. Oui, elle s'appelle Pluti. Ah, alors comme ça, tu t'appelles Pretty? Oui, monsieur. Tu ressembles vraiment à ton nom. Elle est vraiment jolie. Bien, hey, sois la bienvenue. Eh bien. Papa, nous allons entrer un moment. Oh, tu veux la faire entrer? Tu es la bienvenue. Fais comme chez toi, tu es la bienvenue. Oh, oh mon Dieu. Ojin Wengyo. Ogonaba fufa mane asa. Aïe, asa quoi? Mouge j'en ai imaginé vous nobo. Eh. Ojemba. Parce que je vais entrer. Me reposer. Je vais. Ibu Gorabwa. Ojemba Wangem. Ibu Gorabwa. Ojemba Wangem. Hey. Ojemba. Ego. Pardonne mes manières. Mais cette fille que tu as ramenée, où l'as-tu prise? Est-ce une prostituée ou une femme de joie? Ce n'est pas une prostituée. C'est juste qu'elle avait besoin de cet argent, alors je le lui ai offert. Ok, elle avait vraiment besoin de cet argent. Je sais pourquoi je l'ai dit. Nous devons être sûrs de qui nous ramenons au palais. Tu me comprends? Ah, ok, je crois que ça le fera. Je croise les doigts. Pourquoi ça marche comme prévu? Oui, je compte me rendre à Oka. D'accord, tu veux toujours partir à Oka? Mais je pense que je n'en aurai pas pour longtemps. Pas de soucis. Manyuma la Tchakwara, Ochakara. Mon oncle, tu n'es pas sérieux là? Bah, je veux dire, ça va. Elle peut faire le travail. Manyanenga, ça. Tu es avec moi, tu dois être prudent. Sûr. Bah, n'a pas quoi. Wajigabudu, n'a pas, nenga, ça. Odegodugu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hey, ça va toi? Je vais bien. Comment on va, ma plus belle? Alors? Tu es juste magnifique, hein? La plus belle. C'est pour ça que je suis ici. Tu es en train de me tenter là, n'est-ce pas? À quoi tu penses? Alors? Embrasse-moi. Oh. Mon prince. Merci. D'accord, mon prince. Merci. Désolé pour la porte. Je pensais l'avoir bloquée. C'est bon. Je compte voyager très tôt demain matin. Je rentrerai lorsque j'aurai fini ce que j'ai à faire. Tu vas me laisser seule ici? Pas longtemps. Oh. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, ou quelqu'un à qui te confier, tu peux te rendre directement vers cette fille. Elle s'appelle Martha. C'est une bonne fille. Martha. C'est une bonne fille. Elle te plaît, n'est-ce pas? T'es sérieuse, là? Ouais. Je l'ai remarqué, c'est une bonne fille. Ouais. Ok. Je te dis à demain matin. Bonne nuit. Quoi, bonne nuit? Je t'attends.
T'inquiète pas pour ça, ok? Bonjour, Martha. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, bonjour. Oui, je vais bien. T'en es sûre? Ça va, mon prince. Un peu jalouse? Jamais de la vie. Jalouse de quoi? Bref, c'est juste une amie. Une amie comme toutes les autres. Une simple connaissance. Je ne me plains pas. Je l'ai. Pas du tout. Ok. Viens là, Martha. Viens. Mon prince, s'il te plaît. Sois pas difficile, viens. Nous sommes dans la cuisine. Oh. Je vais effectuer un voyage pour Oka. Et je reviendrai dans quelques semaines. Ok. Bon voyage. J'ai besoin d'aide. Ah, bien sûr, je suis le patron. Merci. T'es sûr? Ok. Je voudrais que tu t'occupes de Pretty en mon absence. Pretty. C'est son nom? Oui, c'est son nom. Ok, je vais essayer. Ça va? Je vais essayer. Ok. Alors, tu me donnes un câlin pour la route? Non, mon prince. Non. Ok. Faites bon voyage, mon prince. Yes. Ok, Monsieur Ojemba. Entrez. Oh, je peux m'asseoir? D'accord, asseyez-vous. Un problème? Pretty, peux-tu me dire pourquoi tu es là? C'est quel genre de question, ça? Bien. Depuis que tu es arrivé dans ce palais, tout ce que tu sais faire, ou que tu fais le mieux, c'est de manger, te doucher, dormir et te réveiller. Maintenant, laisse-moi te rappeler pourquoi tu es là. Parce qu'Ojemba ne laissera pas ce spirituel violeur frapper encore. Ok, MSC, es-tu avec moi? Super. Alors, voici ce que j'aimerais que tu fasses, hein? Je t'aurais demandé de mettre un habit sexy. Mais je crois que celui-ci ira. Oui, celui-ci ira. Maintenant, j'aimerais que tu fasses ceci. Quand tu voudras sortir dans la cour, ou même n'importe où dans ce palais, assure-toi de mettre... Je veux que tu mettes toutes ces formes que Dieu t'a données en valeur aux yeux de tous. Amarakewunim, je voudrais coincer ce petit diable. Tu comprends?
Quand tu vas y aller, tu montes ta robe jusqu'ici, ici, et tu exposes ta poitrine. C'est bien. N'oublie pas, je vous vois des résultats. Salut. Comment tu vas? Bonjour, votre Altesse. Bonjour, Pretty. Monsieur Ojemba. Toi. Monsieur Ojemba, toi. S'il vous plaît. Je suis désolé, s'il vous plaît. Hey. Monsieur. Monsieur, je vous en supplie. Si j'entends haut sans parler de jeu, un gomme. Monsieur, je vous en supplie. Hey, moi. Je suis désolé. Donc toi. Désolé, monsieur. Toi. Monsieur Ojemba, désolé. Ah. Désolé. Effoumé. Effoumé. Désolé. Hey. Ta sortie était spectaculaire. Ah, tu as vu comment ils t'ont regardé, tous comme des imbéciles. Oh, Ojemba. Qu'est-ce que tu en penses? N'est-ce pas assez évident que cet idiot, le diable incarné, le démon même que nous cherchons, n'est d'autre personne que cet idiot? Tu t'imagines? Oh, Ojemba. Hein? Il est versé de l'eau sur toi. Ne veux pas dire que c'est lui. Il y a tellement d'hommes inutiles là-dehors qui feront pareil. Ok? Alors, tu n'es pas sûr? Hein? Oui. Hey. Oh. Oh, mon Mina Negrim. Ok, dans ce cas, on peut... Excuse-moi. Va-t'en, tu es mouillé. Ne t'en fais pas, on va. Va. C'est bon, oh, Dieu, c'est bah, bon. Va-t'en, c'est tu es si mouillé. On y est ma, on y est courrema. Et ce voiture, je me le suis fait moi-même, je suis la cause de tout ça. Nous devons passer à l'étape oui, supérieure. C'est mieux, va-t'en, c'est mieux, s'il te plaît. Et c'est quoi, voulez-moi? Oh, Ojemba. Oh. Thank you.
Tu as refusé de poser des actions contre le viol incessant dans ce palais parce que c'est toi. Ojemba, de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Hey! T'en fais à quoi? Dansez toi! Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu insinues que je suis celui qui est la cause de toute la calamité qui se sont produits dans ce palais? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Nyabouba Mgewa! Ah, c'est quoi? Oh, Jimba, en fait, je suis vraiment déçu de toi. Oui. Laisse-moi te dire, si toi tu es déçu, moi j'ai perdu toute confiance en toi. Et laisse-moi te dire, si je trouvais un moyen de couper les liens de sang qui existent entre toi et moi, je le ferais ici même. Fais-le qu'il m'aime. Fais-le gang ou un. Donc c'est toi. J'entendais, j'ai monté un plan. Afin d'avoir ce petit démon de violeur, ne sachant pas que c'est mon frère, hein? Oh, Jemba, tu es mon frère de sang. C'est fou. Malam Kebon, Ufo Balagé. Écoute, tu es mon frère. Écoute, mon frère, je voudrais te supplier de tout ce que j'ai fait vraiment sacré dans ce monde. Je t'en supplie, mon frère. S'il te plaît, ne dis ceci à personne. Ne permets à personne d'être au courant de ceci, s'il te plaît. Je t'en prie, tu ne peux pas du tout ternir l'image de non, ta famille. Non, ne t'en fais pas, tu es encore à genoux. Très bientôt, tu vas t'allonger au sol. Parce que quand je sors d'ici, je vais le dire à ta femme. Elle doit être témoin. Tu me comprends? Ojemba, ne... Ojemba, s'il te plaît, Ojemba. Je t'en prie, ne laisse pas surtout que ma femme soit au courant de ceci. C'est abominable, s'il te plaît, ne laisse pas surtout qu'elle soit au courant de ceci. Hey. Je t'en prie. N'implique surtout pas ma femme dans tout ceci, je t'en supplie, Ojemba. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, je t'en prie. Écoute-moi bien. J'utilise ceci pour te supplier. Ça, c'est mon sceptre de commandement en tant que roi. Et j'ai décidé de te le donner. Non, tu me corromps, pourquoi? Tu veux que je devienne le roi? Oui, bien entendu. Ogunaba, j'ai lu ça dans la Bible. Je sais que tu ne lis pas la tienne. Moi, je lis la Bible. En effet, je sais ce qui s'est passé dans la Bible. Ésaü et Jacob et l'affaire du doigt d'Inès. Maintenant, laisse-moi te dire, même si tu le vendais à un naira, ou même un kobo, ou même gratuitement, je ne l'achèterai pas. Laisse-moi dire la vérité et faire honte au diable. Hé, hey, t'es fier à quoi? J'ai traumatisé, hein? Depuis ton enfance, pas étonnant. Tu as sucé les seins de notre mère pendant 4 bonnes années. Pas étonnant que tu aies rongé tout, tes cheveux, pour que la sagesse vienne d'Akan, d'Akpé, du nord, de l'est, du sud et de l'ouest. Lorsque tu entres un peu de temps... Frère d'aimé, j'espère qu'il ne t'a pas fait de mal. J'espère qu'il ne t'a pas blessé, ok? Et qu'il n'est pas entré en toi, j'espère. Dieu merci, gloire à Dieu. Le problème de mon frère, que voici. En fait, j'ai préparé ce piège pour attraper un gros poisson. Un gros poisson. J'ignorais que ma proie allait être mon frère, mon propre frère. Ça, ce n'est pas mon frère que je connais. Ça, ce n'est vraiment pas mon frère. Le problème de mon frère, ce sont les femmes. Ounara, cet homme a sucé les seins de notre mère pendant 4 ans. T'inquiète, ton problème, c'est ce qui est entre tes deux jambes. Donc rends-moi service, ferme-les, partout tu verras cet homme, et attache tes jambes avec une corde. Ojemba, merci encore pour le conseil que tu viens de lui donner. Et qu'en est-il de celui que je t'avais donné?
En fait, ne t'en fais pas réserver tes conseils et tes commentaires. Parce que lorsque le peuple d'Amago se réunira pour t'entendre, alors... Tu me connais bien. Je ne reviens pas sur ma parole. À moins que ce soit pas moi, Otiempa. Egurana, Omeya. Allez, je t'en supplie. Onyese Kukambo. En fait, couvre-toi, Biko. Ada, en fait, couvre-toi. Biko, couvre-toi très bien. Je n'ai pas du tout confiance. Cet homme, c'est mon frère. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Aguam. Écoute, s'il te plaît, surtout ne dis cela à personne, d'accord? Je t'en prie, ne dis cela à personne. Personne ne doit être au courant de ça. Otiempa. Qu'est-ce qui te donne le droit de me tapoter? As-tu perdu la tête? Es-tu entré dans ma chambre? Pour faire quoi? Quand? Otiempa, je demande si tu es entré dans ma chambre. Non, souviens-toi que j'entre dans ta chambre avec ta permission. Alors, comment as-tu vu? Es-tu entré dans ma chambre aujourd'hui? Non. Otiempa, j'ai été violée. Hé, toi! Abusé. Oui. Et si, encore. J'ai été violée. Je me suis réveillée et j'ai vu du sperme sur tout mon corps. J'ai été violée. Martha. Oh, cette fille n'est pas ici. Où peut-elle bien être? Hé, hey, elle n'est pas ici. Martha. Hé. Hey. Ce n'est pas là des caleçons d'homme. Hé hey! Ogunabo. Dans ce cas, je dois aller voir Ogunabo au lieu de Martha. Hé hey! Que font les caleçons d'Ogunabo dans la chambre de Martha? Ogunabo, tu es mon premier suspect. Non, je dois me rassurer parce que quand je vais parler, on m'a dit que... Odiemba, tu parles trop. N'est-ce pas des caleçons pour hommes? Dites-moi. Ogunabo, tu as les réponses. Tu me dois des réponses. Hey! Hey! Mon Dieu, merci de m'avoir donné cette preuve. Ce palais. Ogunabo. Igwe, pardonne. Pardonne mes manières. J'aimerais te demander quelque chose. Vas-y. As-tu, par hasard, donné tes sous-vêtements à Martha ou à n'importe quel servant de la vie? Je te demande pardon. Bah, il n'y a pas de pardon qui tienne. Parce que si tu en demandes, tu ne l'obtiendras pas. Ce dont j'ai besoin, c'est la vérité. Et rien que la vérité. Oui ou non. Je dois savoir qui tu es.
qu'à moyer mes goûts. Oh, Jemba, tu es vraiment stupide. Si seulement tu n'étais pas du tout mon frère, j'aurais fait une grosse connerie maintenant. Ogunabo, écoute, je connais ton point faible. Me demander de dégager ou de partir ne va pas résoudre ce problème. C'est vrai. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est ta réponse. Afin de coincer le coupable pour avoir la paix dans ce palais. Ok. Pas de souci. S'il te plaît, dis-moi, tu l'as fait ou pas? Hey, voici ma réponse. Je n'ai en aucune manière donné à Martha ou à n'importe quel être humain dans ce palais mes caleçons à laver. Ce palais, tu le sais très bien, a ce qu'on appelle une lingerie royale. Alors qu'est-ce que... Qu'est-ce que mes caleçons feraient avec Martha ou avec quelqu'un d'autre? De quoi est-ce que tu parles? Je connais ton point faible. En tant que mon frère, je connais quand ton oui est oui et ton non est non. Ça va, t'inquiète. Mais je dois connaître l'origine de cette histoire. Ondjemba ne serait incapable de laisser cette histoire. Non, jamais. Ça, jamais. Ondjemba. Tu peux me croire. Ondjemba. Tu feras ce que je veux faire. Hey! De quoi est-ce qu'il parle? Hein? De quoi est-ce qu'il parle? Mes caleçons? Martha? Martha? Non. Non. Mon Dieu, Ezime, pitié, s'il te plaît, prends ta serviette et couvre-toi. Je ne veux pas voir ce truc. Hé, je rejette. Je suis désolée. Couvre-toi, s'il te plaît. Ouvre tes yeux, vieil homme. Pitié, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est incroyable. Ce que je vais te dire tout de suite est imaginable. Sais-tu que le démon, le diable que l'on recherche depuis, n'est pas sous la forme masculine, mais sous la forme féminine. Oh, Jemba, je ne comprends pas. Qu'es-tu en train de dire? La personne que l'on recherche, c'est Martha. Oh, Jemba, es-tu ivre ce matin ou autre? Comment peux-tu parler en mal de cette fille innocente? Ou alors c'est parce que je t'ai accusé d'être le violeur? Est-ce la raison pour laquelle tu accuses cette fille innocente? Attends, tu penses que cette fille est innocente? Elle est innocente. Ah, et je suis un menteur. Tu es un gros menteur. Oh, Jemba. Ne t'en fais pas. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour te convaincre toi-même. Va dans la chambre de Martha tout de suite. Dans la chambre de Martha? Pour en faire quoi? Je pense que les dieux de ce village sont sur le point de nous aider. Voici ce que tu vas faire. Va dans sa chambre. Et fais semblant de n'être au courant de rien, hein? Ensuite, fais en sorte d'exposer les parties de ton corps, hein? Si ce que je pense est vrai, elle va réagir à ta nudité.
Ne t'en fais pas. Fais juste ce que je t'ai dit. Va la voir dans sa chambre et regarde comment elle réagit. Oh, Jimba. Tu ne vas pas en voir tes yeux. Je trouve ça intéressant. Oui. Maintenant, ne perdons pas plus de temps. Tu es avec moi? Oui. Je vais sortir pour que tu t'habilles. Vas-y rapidement. Oh. D'accord. Hey, Yawamba, fais-le. Okay. Je t'attends. Okay. Je reviens. Hey. Non, s'il te plaît. Allez, ma belle, juste un peu. Ok? Je sais que t'aimes ça. Je suis désolée, madame. Non, attends. Allez, attends. S'il te plaît. Arrêtez. Attends. Madame, attends. Arrêtez. Non, non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ok. Ça se voit que tu as envie. Madame, s'il vous plaît. Viens là, je vais attendre. Oh, partez, s'il vous plaît. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est sexy. Oh. Je n'en reviens pas. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu. Comment ça s'est passé là-bas? Oh, Jimba. Hein? Cette fille a un beat. Cette fille n'est pas une femme. C'est un homme. Quelle fille? Comment? Quoi? Oh mon Dieu. Ne fais pas comme si tu ne savais pas de quoi je parle. La première fois que je t'en avais parlé, m'as-tu cru? Ok. Alors, pourquoi veux-tu que je te croie maintenant? Oh, Jimba, je sais, je suis désolée. Je suis désolée pour ça. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Mais ça se passe. Maintenant, dis à Jimba, je veux savoir ce que tu as vu. Explique-moi comment ça se passe. Quand je vois une bête, j'en reconnais une, tu sais. Oui. Comme nous l'avions planifié. De la séduire. Comme je la séduisais. Oui. Ses yeux brillaient. Comme un homme oui. qui veut dévorer une femme crue. Ok, tu veux dire excité. Hey, la prochaine chose que j'ai vue, c'était une érection. Oh mon Dieu, c'était si gênant. Ah. As-tu pu la voir, je veux dire, voir la bite? Oh, j'aime pas, j'ai dit que quand je vois une bite, je reconnais. Très bien, très bien. Maintenant, remercions les dieux d'avoir atteint notre objectif. Passons... Maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire planifier comment coincer cette fille. Oh, Jimba, s'il te plaît, conduis-moi dehors de ce jeu. Vous pouvez garder cet argent. Je ne suis plus intéressée par ce jeu. S'il te plaît, je ne suis plus intéressée, je ne peux plus le faire. Oh mon Dieu, hey, ce n'est pas en train de se produire. Pretty. Calme-toi et écoute-moi. Laisse-moi te dire, le palais dépend de toi. Et Amadjoa nous frappera à mort si on rate cette occasion en or. De un, Igwe va te récompenser. Il va t'honorer. La reine va t'honorer. S'il te plaît, je ne suis plus intéressée, je ne peux plus le faire. Attends. Prince aussi va t'honorer. Et moi, Ojemba, je le ferai doublement. Ojemba, je ne peux plus le faire. Voilà, je m'agenou devant toi. Je te supplie, à genoux, s'il te plaît, fais ça pour moi. Miko, rends-moi cette faveur. Mettons fin à cette calamité qui nous tombe dessus. En bas. Alors, quand est-ce qu'elle... Iwatobo? Oui, à moi. Elle a dit qu'elle viendrait dans ma chambre plus tard dans la journée. Mais c'est vous dites maintenant, je ne peux plus continuer avec ce jeu. Et je sais, lorsqu'une femme pénètre un homme, ou qu'un homme pénètre une femme, ça fait très mal. Mais voici ce que j'aimerais que tu fasses, tu m'entends? Tu vas te ressaisir, mais je te promets, avant que cette femme ou cette homme-femme te pénètre, je vais atterrir. Oh, Dieu, maintenant, je ne peux pas. Merci. Je ne peux pas. Voici ce que tu vas faire. Prépare tes chambres.
Et puis trouve-toi quelque chose de sexy qui pourrait, tu sais, exciter un homme, je veux dire, exciter cette homme femme à te pénétrer à nouveau. Ah. C'est bon, je verrai quoi faire. S'il te plaît, je saurai quoi faire. Ça suffit. Écoute, nous devons tout préparer. Nous devons tout mettre en place. Nous allons mettre tout le monde en alerte. Oh. Ah. Allô. Décroche. Ah. Omekanaya. Omekanaya, merci. S'il te plaît. J'aimerais te voir tout de suite. Je veux que... Non, ton père et ta mère, ils vont bien. Non, ils vont bien, nous allons bien, mais ça ne va pas. Omekanaya, ça ne va pas. Le pire est arrivé. Ah, Omena. Oui. Biko, où que tu sois, j'aimerais que tu me rendes service. Il y a un truc important que j'aimerais qu'on discute en face. On dit pas. Non, ce n'est pas quelque chose dont on parle au téléphone, bah. C'est important, je dois te voir. En fait, on doit s'asseoir tous les deux et en parler tête à tête. Nawabegia, allô, mais... Sais-tu que ce démon, ce violeur, le démon qui nous tourmentait dans ce palais, hein? Odieba a pris ce petit diable la main dans le sac. Je l'ai attrapé. La main dans le sac. Le pire, sais-tu le plus étrange à ce sujet? Ce démon n'est même pas sous l'apparence d'un homme. Il n'est même pas sous la nature démoniaque. Mais sous l'apparence d'une femme. On dirait que je te donne toutes les informations. Biko Bata, viens. Oui. Biko, prends ta voiture. Et rentre à la maison immédiatement. Oh, Dieu, j'aimerais que tout le monde soit présent pour être témoin de ce spectacle. Parce que ma pour moi, vous n'en oubliez pas de merci. Donc, merci. Allez, rentre, s'il te plaît. Hein? Rien, ne cherche pas à me gâter quelque chose. Juste rentre. Merci. Hey! Aaron, Kachoropam, Munyozoba, Zoroba, Ondengamba. Hey! But it sounds so crazy, what is going on here? It sounds so stupid, what are doing in this place? House of David has turned to the home of all iniquity. Home of demons, what is going on here? Daylight robbers are here in this family. House of David, I can't comprehend. Is this a dream or reality? I don't understand. I can't be happy, could you please tell me why? Humans and demons should live in one family. House of evil, it makes me confused. Humans and demons, they live in one family. House of demons, I can't comprehend. But it sounds so crazy, what is going on here? It sounds so stupid, what are doing in this place? House of David has turned to the home of all iniquity. Home of demons, what is going on here? Daylight robbers are here in this family. House of David, I can't comprehend.
Bonsoir, papa. Où se trouve maman? Elle est à l'étage. Dans sa chambre. Ok. Obunane. Obunagwa. Mon oncle, que voulais-tu me dire au téléphone? Dieu merci, tu es là maintenant. Hein? Oui. Ngelolo, où est la reine? Pourquoi est-ce que tout le monde demande, Lolo? Elle se repose dans sa chambre. Où est ce démon? J'ai pris ce démon la main dans le sac. Tu es sérieux? J'ai juste besoin qu'on appelle Lolo. Je veux que tout le monde... Allez, allons-y, allons appeler la reine. Appelez la reine. Te suivre pour aller où? Appelle ta mère. Viens. Oh, où est-ce que tu nous amènes? Viens. Non, mais je veux savoir ce qui te prend. Va regarder. Vas-y. Attends. Qu'est-ce que ça fait là, toi? Hein? Tu n'es qu'une misère. Allez, descends. Viens par ici, toi. Mon prince. Dépêche-toi. Mets-toi à genoux. Allez. Mon prince. Oh, ouais, oh, tu n'es qu'une merde. Un déchet. Une traîtresse. N'as-tu donc pas honte? Regardez-la. Hey. Mais je croyais qu'elle était une fille. Alors comme ça, tu n'es pas une fille. Aïe. Pourquoi tu fais ça? Réponds-moi. Pasteur. Dites-moi sérieusement. Pourquoi? Pourquoi ne devrait-elle pas mourir? Elle nous est plus utile vivante que morte. Croyez-moi, cette fille a tellement à dire. Si vous la tuez maintenant, toutes ces informations mourront avec elle. Et vous n'allez rien en tirer. Et certainement, nous n'en tirerons pas du profit. Rien. Pasteur, nous vous respectons beaucoup dans ce royaume. Et vous le savez. Oui, votre cette fille que vous voyez a commis beaucoup d'atrocités inimaginables dans ce monde. Alors il est de notre tradition de toujours vous appeler avant une exécution, parce qu'elle va être exécutée. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire maintenant? Parce que je ne veux vraiment pas perdre patience. Je ne le veux pas. De quoi est-ce que vous parlez? Jeune femme, dis-moi quel est ton nom. Je ne suis pas une femme. Silence! Mais vois-tu, tu es dans un corps de femme. Alors je te commande de répondre tout de suite. Quel est ton nom? Hello, Shiva. Hassan Tabarkarashus. Hey, Professor Makatakasi. Hey, Zambé. Hey, Zambé. Makasi Magie. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Tu n'as aucun droit sur moi. Oh, si, j'ai tous les droits. Car il est écrit: toute autorité dans le ciel, sur la terre et dans le monde souterrain est dans la parole de Dieu, dont je suis le gardien. Par conséquent, je parle avec autorité. De quelle autorité tu parles? Tu n'as pas d'autorité. Tu ne pourras rien me faire. Rekete, brakasu, brakana, hosa. Ratatatat.
Mais le démon, la bête qui la retenait captive. Mais maintenant, je peux vous dire à voix haute que la bête a été exécutée. Amen. Votre Majesté, Amen. Vous avez votre justice. La justice Amen. En elle-même, votre Majesté. Rabatumenikato bra, zambé na yoyokta. Que toute manigance satanique déposée et projetée Amen. Dans ce palais, je commande la puissance Amen. Et l'autorité. Amen. Soyez détruits au nom de Jésus. Amen. Soyez détruits au nom de Jésus. Amen. Soyez détruits au nom de Jésus. Oh, Rivia Soubrekete. Oh, Sakatata. Oh, Sebabetete. Soyez détruits au nom de Jésus. Soyez détruits au nom de Jésus. Amen. Tout ce que l'ennemi a mis dans cette cour, toute effusion de sang dans cette maison, nous déclarons que toute Amen. Voix qui parle contre ce que dit le Seigneur, je te commande de disparaître maintenant Amen. Au nom Amen. De Jésus. Disparais maintenant Amen. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de disparaître Amen. Au nom Amen. De Jésus. Hosambe na yona lingio. Hosambe na yona lingio. Hosambe Jehovah. Éternel mon Dieu, nous te célébrons, nous te célébrons. Oui, alléluia, oui, alléluia. Alléluia, amen. Amen. Votre Majesté, la Bible dit que si le Fils de l'homme a rendu quelqu'un libre, ce dernier est vraiment libre.
Lui, il a accompli la délivrance. Oui. Et la purification de cette maison. Mais maintenant, nous devons l'écouter. Jeune femme, maintenant dis-nous, comment sont arrivées toutes ces choses, dis-nous. Bien, elle s'appelle Adjougo. Lorsqu'on vivait au Ghana, on l'appelait Gina. Je l'appelais maman, pensant qu'elle était ma mère. Elle m'a pratiquement appris tout ce que je sais aujourd'hui. Y compris le massage. Elle adorait quand je lui faisais des massages. Donc, un jour, il s'est passé quelque chose. Maman, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un toucher spectaculaire. Maman! Avec toi, je pourrais accomplir ma mission ici sur Terre. Ta mission sur Terre? Mais maman, attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mon charme, viens, utilise-la, habite ton aile, viens. Je lui ai donné 4 enfants. Quoi? Quoi? Oui, 4 enfants. N'était-elle pas mariée? Elle était mariée. Elle a rendu son mari impuissant juste pour s'en tirer. Quoi? Ouh. Donc, que s'est-il passé après ça? Alors, un jour, son mari a découvert que les enfants n'étaient pas les siens. Et il est rentré très en colère. Et quelque chose s'est produit ce jour, quand il est arrivé. Oui, vas-y bébé. Mon mari. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Donc c'est vrai? Hein? C'est vrai? Donc l'histoire là est vraie? Cette histoire est donc vraie? Donc elle est vraie? Elle est vraie alors? Hein? Elle est vraie? L'espoir? Elle est vraie? C'est comme ça que je suis partie du Ghana pour le Nigeria. À Lagos, j'ai rencontré Titi. Elle m'a parlé d'un job dans un palais.
J'ai décidé de la suivre ici. Par chance, j'ai été employée comme chef. Avant la mort de Gina, elle m'a remis une crème. On appelle cette crème de Baba Zuba. Seigneur Jésus, c'est pas possible. Que j'en sous mes mains à chaque fois que je veux. Que je veux avoir des rapports avec quelqu'un. Une fois que je te touche avec la crème, tu t'endors jusqu'à ce que je finisse ce que j'ai à faire avec toi. Tu ne le sauras pas. Au contraire, tu te verras avoir des rapports dans un rêve. Le sang de Jésus. Ça, c'est le travail d'incubus et de succubus. Non, pasteur. Celui-ci est différent d'incubus et de succubus. L'incubus et le succubus que vous connaissez ne peut engrosser quelqu'un. Au contraire, il ôte. Tout ceci me dépasse. Il ôte. La chance et les époux spirituellement. Si rien n'est fait rapidement, tous les enfants que j'ai donnés à Gina sont ceux des Baba Zuba. Et toutes les servantes donneront naissance à des Baba Zuba. Si rien n'est fait à ce sujet rapidement. Non. Non. La Bible dit que tout arbre qui n'aura pas été planté par mon Père Céleste. Oui. Sera détruit. Car c'est pour cela que le Fils de Dieu apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Ils seront arrêtés. Alors vous devez faire quelque chose au plus vite, pasteur. Ok. Que Dieu vous bénisse. Où est la crème en ce moment? Pasteur, je peux répondre à cette question. Cette crème est dans sa chambre. En fait, c'est dans son propre tiroir. Oui, mon frère, si tu voyais cette crème et sa puissance, juste comme un choc électrique, mais par la grâce de Dieu, garde, votre Altesse, allez chercher cette crème. Il est parti avec. Pourquoi? Oui. Oh, tu veux dire la bête? Laissez la crème. Djemba. Laissez la crème. Laissez-la. Martha, je voudrais te demander quelque chose. Cette Gina, est-ce qu'au moins, a eu à te dire qui sont véritablement tes parents avant qu'elle ne meure? Oui, elle l'a fait. Elle a mentionné un certain prince David et une défunte Amolega. Elle m'a dit qu'ils sont du Nigeria. Martha. Oui, pasteur. S'il te plaît, dis-moi. As-tu déjà tué quelqu'un avant? Non, j'ai... Maintenant, dis-moi. Qui as-tu tué? Et où? Je veux savoir.
J'ai tué Joe. Hey! Qu'as-tu fait? Mon prince, s'il vous plaît. Contrôlez vos émotions. Veuillez vous ressaisir. Pasteur, elle a tué Joe. Relax, souvenez-vous, ce n'était pas elle, c'était la bête. Na quoi? Pourquoi as-tu tué Joe? Depuis le jour que Joe est entré dans ce palais, il a commencé à me faire des avances. Et un jour, il est venu dans ma chambre et a essayé d'abuser de moi. J'ai essayé de le résister, mais je n'ai pas pu. Il a touché. Il est arrivé entre mes jambes et il a touché mon truc. Sortez de ma chambre. Tu t'attends à ce que je sorte juste comme ça? Sais-tu ce que tu me fais? Je ne vous fais rien du tout. Je ne vous fais rien du tout. Oh, Cassie. Maintenant, laisse-moi te dire. Tu me fais de l'effet. Tu me punis. Et ce soir, je dois tirer mon pied. Comment tu le veux? Épicé ou pimenté? Restez loin de moi. Restez loin de moi. Non, lâchez-moi! Quoi? Hein? Mmh. Je ne veux pas bouger non. D'ici. Non! Non. 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 Je devais le tuer pour qu'il ne m'expose pas. Hey! Je l'ai tué pour effacer les soupçons. Il devait me trahir. Je l'ai fait prendre de l'acide pour que ça ait l'air d'un suicide prémédité. C'est incroyable! Hey! Attends, mère. Es-tu mêlée d'une quelconque manière à la mort de ma sœur? Je l'ai aussi tué. Jésus, quoi? Jésus, ce n'était pas elle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tu t'en vas. Ça va. Donc, gardez ton calme. Essayez de me saisir. Martha, tu as tué ma fille. Martha. S'il te plaît, continue. Après la mort d'Obina. Quoi? Obina, que vous dites? Obina! Je vais te tuer de mes propres mains! Hé! Je rejette! Lâchez-moi! Que le tonnerre te frappe! Regarde-la, elle te fait voir que le tonnerre te frappe, sorcière! Je ne vais pas la croire, je l'aimais encore! Mon prince, s'il vous plaît, c'était à l'arsus! Akabam! Elle ne voulait pas dire ça! Que tu te maudisses! S'il vous plaît! Estime-toi! Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus! Ok, vas-y!
Vas-y. Après la mort de Joe, lorsque la princesse est tombée enceinte, elle m'a demandé de venir rester avec elle. Martha, j'ai utilisé la crème sur elle. Je lui ai fait l'amour. Dès que j'ai fini le deuxième tour, j'ai remarqué que quelqu'un arrivait. Puis, je me suis précipitée dans la salle de bain. Ada? Ada, mon amour, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Parle-moi, s'il te plaît, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, s'il te plaît. Maman, c'est encore arrivé. Qu'est-ce qui est encore arrivé? S'il te plaît. Maman, j'ai encore été violée. Quoi? Comment? Hein? Non. 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 Ce n'est pas vrai. Non. Non! Non! Mon Dieu, non! Laissez-moi la tuer! Laissez-moi! Tu n'es qu'un monstre! Laissez-moi la tuer! Ne lui fais pas de mal. Laissez-moi. Calmez-vous, ne lui fais pas de mal. Et surtout, ne la tue pas. Parce qu'elle est ta sœur de sang. Père, quel sera son châtiment?
Mais de quoi tu parles ? Ce que je veux dire, c'est que elle est ta sœur de sang. Pourquoi n'a moi ça ? Ah ! Akagamu Kobe. L'okwene. Martha ? Ma fille ! Hey ! Amore Spato. Il y a de cela quelques années, j'ai eu une liaison avec Amolega au Ghana. C'était une servante et je l'ai engrossée quand j'étais étudiant. Et je l'ai abandonnée et je suis rentré au Nigeria. Lorsqu'elle est décédée, j'ai reçu un message. Mais puisque j'étais marié, je n'ai même pas demandé après ma fille ou même faire quoi que ce soit. Je me suis dit intérieurement que ma fille est morte aussi. Oui, nous l'avons appelée Mezo, mais plus tard, sa mère m'a dit qu'elle l'avait appelée Martha. Hey, je vis avec ma fille depuis tout ce temps, sans même le savoir. Ma fille, je suis vraiment, vraiment désolé. Tu es ma fille, je suis désolé. Écoute, je suis désolé. Je suis désolé, ne fais pas ça. Écoute, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je t'en supplie. C'est toi qui es derrière tout ça, je te déteste, je te déteste. Non, attends, je vais t'expliquer. Écoute, je vais t'expliquer. Les gens m'ont trompé. Les gens m'ont trompé. J'avoue que je ne sais même plus comment l'appeler. C'est bon, ma fille, c'est bon, ok? Glory be to God in higher. Amen, oh, for his mercy and the red forever. Oh, amen, oh, glory be to God, in the higher, amen, oh, for his mercy, in the red forever, amen, for his mercy, in the red forever, amen. Je sais que vous vous demandez tous pourquoi je venais de chanter cette chanson, mais la Bible dit qu'en toute chose, peu importe la situation, peu importe la condition, nous devons rendre gloire au nom du Seigneur. Frère Obina, je ne vous connaissais pas avant maintenant. Je viens de vous rencontrer. Mais croyez-moi quand je vous dis que cette fille est votre sœur. Je le ressens dans mon esprit et je le sais aussi bien que je connais mon nom. La Bible dit dans Matthieu 7:1 « Daignez-vous de juger afin de ne pas être jugé vous-même. Personne ne doit la juger pour avoir tué ou abusé de qui que ce soit, se basant sur les confessions qu'elle venait de faire. Souvenez-vous que ce n'était pas elle, mais plutôt la bête. Elle n'était qu'une victime. Mais aujourd'hui, Obina, vous aviez perdu une sœur
et vous avez gagné une autre. Votre Majesté, votre fille perdue il y a longtemps a retrouvé son chemin. Lolo, je vous prie d'accepter Martha comme votre fille. Aimez-la, chérissez-la. Le plus important ici est que Dieu a un plan et un but pour toute chose. Sa volonté surpasse tous nos choix et nos décisions. Aujourd'hui, la victoire a été établie, pas seulement dans ce palais, mais dans ce village tout entier. Cependant, la Bible dit, la sagesse est l'avantage du succès. Il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Votre Majesté, j'ai juste l'onction de prophétiser à cet instant. J'ai ce fort sentiment. J'ignore si c'était par votre quête du pouvoir ou du matériel, mais vous avez plongé dans les pratiques diaboliques. Vous avez pratiqué des activités des eaux. Et c'était profond. Votre Majesté, vous êtes allé trop loin, si loin que vous avez failli compromettre les destinées de tous ces gens sous le don de ma voix. Que Dieu ne le permette pas. Tu entends ? Mais rendons gloire à Dieu, car malgré tout ça, il vous aime encore. T'inquiète pas. Hey, hey. Oh, oh, mon Dieu, je t'aime aussi. Je suis désolé. Je suis si excité. Merci, Seigneur. Si content que vous soyez débarrassé de l'orgueil et de votre ego et que vous vous soyez prosterné devant le Dieu Tout-Puissant. Car il n'y a aucun autre merci, roi Seigneur. Ou Dieu au-dessus merci. De lui. Merci, mon Dieu. Merci. La Bible dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà. Toute chose est devenue nouvelle. Amen. Votre Majesté, puisque vous avez reçu Jésus dans votre vie et dans votre famille, je déclare que par la puissance et l'autorité, toute voix d'accusation, toute voix d'hier et d'aujourd'hui, toute voix qui voudrait vous accuser pour tout ce que vous avez fait avant et maintenant, je la mets en sourdine au nom puissant de Jésus. Amen. Toutefois, votre postérité parlera non seulement de comment la sagesse d'un homme a sauvé la vie de tous les membres, je dis tous les membres de cette grande famille et de cette communauté, mais aussi de la nation tout entière. Et je parle de la sagesse d'Odjemba. Odjemba, mon frère. Gloire à Dieu, hey. Le Dieu hey, Tout-Puissant. Ah, Odjemba, c'est un homme très sage. Ah. Odjemba, mon frère. Oui, mon frère. Frère. Je suis là. Dites-moi ça tout. Ça va aller.